de choses encore plus sérieuses, à savoir cette finale de la Coupe d'Europe. Encore plus sérieux, Jean. Ah bon. La finale de la Coupe d'Europe, c'est bientôt, c'est mercredi. Oui. Hein. C'est mercredi. Effectivement, un flash spécial justifié par les terribles événements qui se sont produits, qui se produisent toujours actuellement à Bruxelles, où des émeutes ont fait entre 20, 30 ou 40 morts, on ne sait pas, les chiffres sont fantaisistes, il y a en tout cas au moins 20 morts. 20 morts, donc sur le stade, des émeutes avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. À l'horloge du stade, il est 19h25. C'est le début de ces incidents dramatiques. Les supporters de Liverpool, les fameux hooligans, la plupart complètement ivres, attaquent les supporters de la Juventus. Et en quelques secondes, tout bascule et c'est l'horreur. Des centaines et des centaines de personnes entassées les unes sur les autres. Le petit mur de la tribune nord s'effondre, les victimes sont en dessous. On a été au courant forcément parce qu'on pensait de pas jouer. On a vu les joueurs de la Juventus sortir avant la rencontre et aller vers les supporters. Oui, parce qu'on voulait les calmer, ils voulaient entrer sur le terrain justement, ils voulaient avoir des représailles contre les supporters anglais parce que la voix s'était répandue que c'était fait tuer pas mal d'Italiens. Et on a été les calmer parce que ça pouvait dégénérer. Il y a beaucoup de passion qui s'en va. Il y a, le football est un jeu, mais aujourd'hui, il a pris un gros coup dans mon cœur, le jeu du football. Oh, comme ça.